Hello tout le monde, bon du coup je vous retrouve, c'est la moi du montage, bien plus tard, je vous explique, j'ai eu un petit problème, j'ai supprimé sans faire exprès des séquences de vidéos, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, et je refilme du coup les moments où on parle etc. Là, du coup pour que vous compreniez un peu le vlog, je vais essayer de récupérer le maximum d'images possibles pour que vous puissiez avoir quand même quelque chose etc. Mais du coup je vais vous faire des petites séquences où vous allez m'entendre parler comme ça pour vous expliquer un peu... ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Du coup je vais vous coupler deux vlogs d'Universal, on a fait deux jours là-bas, donc premier jour on a fait plein d'attractions etc, c'était top, vraiment c'était trop top, on a fait une attraction Harry Potter, les Simpsons etc, vraiment trop bien, on a vu une parade de Noël le soir et ensuite on est allé faire The Night of a Million Lights, c'était un village un peu avec comme un complexe hôtelier avec plein de décorations de Noël etc. Thank you.
deuxième jour à Universal. Hier on vous a pas clôturé le vlog comme d'hab, on est très mauvais. Mais du coup hier après-midi on a réussi à finir toutes les attractions qu'on voulait faire. Ouais. Enfin en fait on a fait toutes les attractions. On a vu une parade de Noël. Et après le soir on est parti dans un genre de petit complexe un peu hôtelier on pense. Et en fait c'est Night of a Million Lights. Et ils décorent pour Noël toutes les petites maisons d'hôtel pour Noël. Ouais. Et en fait les sous du ticket et on peut faire des dons, c'est reversé aux enfants malades pour qu'ils puissent venir passer un séjour à Orlando, à Disney avec leur famille. C'est sympa, ça, cool ça fait comme ça. Un mini village, résidence. C'est grand, hein, c'est grand. Ouais, un village, une résidence, ouais, grande résidence. Une grande résidence avec plein de déco. Toutes les maisons elles sont illuminées au max. C'est cool, tout est bien décoré. On fait un tour à pied et après un tour en petit tram. Et du coup, en plus d'être stylé, on fait de bonnes actions. Voilà. Ouais, donc c'est cool. Et du coup, là aujourd'hui. Ouais, deuxième parc qu'on va faire. Là, on est rentré dans le même qu'hier, dans le premier. Et en fait on va prendre le Poudlard Express pour rejoindre le deuxième. Parce que du coup hier on n'a pas fait le train et là du coup on va le prendre pour aller dans le deuxième parc. Ouais. Et après on fera les attractions dans notre parc. Ouais. Oui. Yes. Oui, train d'Harry Potter. Du coup on se retrouve dans le train. Dans le train, ouais. On s'est pris tous les deux le même plat, c'est des pâtes à la crème fraîche je pense et du poulet avec un petit pain. Voilà. Bon appétit. Le pain, on dirait une vieille saucisse. Ouais c'est vrai, mais c'est du pain. Et le fameux coca, qui est moins cher que l'eau. Bon app. Là c'est le Hulk qui vient de passer. C'est le Hulk qui est en train de passer derrière nous si vous entendez je pense. Normalement il va peut-être le voir passer derrière la fin. Bon du coup, ce matin, on a fait les deux attractions Harry Potter. Vous voyez derrière je pense. Ce matin on a fait les deux attractions du land Harry Potter du coup. Il y en a une troisième, c'est Flight of Hippogriff, mais c'est un truc un peu pour les petits style à chenille. Et du coup on a trop kiffé, un peu plus vénère, ouais, c'est pas bon, fou, c'est pas fou. Et on a trop kiffé, genre vraiment les deux attractions elles sont incroyables, surtout Hagrid. Là on est comme sur une petite moto et c'est un coaster sur la, en fait. La moto d'Hagrid. Ouais, comme ça la moto d'Hagrid et c'est trop bien, vraiment ça va à fond et tout ça. Enfin c'est trop stylé. Elle est incroyable. Du coup on a fait ça et l'autre d'Harry Potter dans le château de Poudlard. On s'est arrêté pour manger du coup là, on a mangé les pâtes là comme juste avant. Les 4 fantastiques là-bas. Ouais, ça s'appelle Café 4. On se décale un peu parce que je pense que
4. Et c'était bon, hein, c'était des petites pâtes avec du poulet. Et là, du coup, on va faire Spider-Man. Et regardez, aujourd'hui, j'ai mis mon petit t-shirt Pandora. Du Land Avatar, voilà. Et ouais, là, du coup, on va faire Spider-Man. C'est un simulateur, normalement. On l'avait déjà fait au Japon. Ouais, on l'avait déjà fait au Japon. C'est le même. Et en vrai, franchement, il est grave sympa. Parce qu'en fait, du coup, pour ceux qui savent pas, on a vécu quand même quasiment un an au Japon, en fait. Et il y a aussi des Universal là-bas, Universal Studios. On les avait fait. Il y avait déjà quelques attractions qu'on a fait ici, qu'il y avait déjà là-bas. Mais celui ici, il est beaucoup plus grand. Déjà, il y a deux parcs, alors qu'au Japon, il y en a qu'un. Et donc, il y a certaines attractions qu'on connaît un petit peu, mais voilà. Spider-Man, on l'avait déjà fait, mais je sais pas si tout le temps ça va être exactement la même chose. Mais si c'est pareil, normalement c'est un simulateur. Voilà. En tout cas, déjà au Japon c'est 4 ans. Ouais, au Japon c'était trop bien déjà. Ouais. Le Spider-Man est incroyable. Voilà. C'est parti pour le Spider-Man. Let's go! On est dans des rapides sur l'eau et on est trempé. Là c'est... Genre vraiment on a pris mais une saucée mais un truc de ouf. J'ai jamais fait un truc qui mouille autant. Ouais moi genre, non plus. À part Aquasplash quoi en fait. Genre vraiment... les tubes là. C'est mon haut là, il est trempé. Genre vraiment là où c'est un peu clair c'est sec. Moi j'ai un pantalon noir. À la base, juste pour dire à la base il est gris hein. Mon pantalon. Gris. Là il est tout noir. Attends mais regarde carrément je peux te faire. Non, ça va. Ça pique un peu. Mais du coup, il y a des sèche-cheveux là, juste en face. Ouais, je pense qu'on va les utiliser. C'est pas des sèche-cheveux. Enfin, non, pas des sèche-cheveux, des gros dryers là, comme on dit. Non. Des gros sèche-cheveux, mais pour. Des sécheurs. Pour nous. Ouais, on se met genre dans une cabine et ça nous ouais. Sèche. Du coup, je pense qu'on va le faire parce qu'on est vraiment trempé. Genre là, mon froc, il est trempé en fait. Ouais. Donc je pense qu'on va le faire et je vais essayer de vous montrer ce que c'était l'attraction. Et juste avant, on en a aussi fait une qui était dans l'eau, mais elle nous a moins mouillé quand même. Ouais, ouais. Et elle était stylée. Il y avait une pente de ouf et c'était trop bien. Ouais, la pente elle était bien. Mais je vais essayer de vous filmer les deux attractions qu'on a fait dans l'eau pour vous montrer, mais c'était trop stylé, mais bon, on est trompé. Mr. Grinch.
On a fait 6 jours de parc entier et là, ça y est, plus de Disney, plus d'Universal. On est triste. Ouais. Là, on est fatigué. En vrai, ça crève de ouf. 6 jours d'affilée comme ça, on est bien mort. Mais c'est pas grave, si c'est à refaire, je peux rentrer. Ouais. Là, on est dans le parking, on va chercher la voiture. Et on va aller se poser dans un McDo pour manger. Et ensuite, on va aller dans une petite boutique de souvenirs qu'il y a sur la route d'Orlando pour voir. J'aimerais bien acheter quelques aimants ou des trucs comme ça avant qu'on parte, puisque demain on s'en va d'Orlando et on va à la NASA. Ça va être cool. Bilan de ces 2 jours d'anniversaire, c'était trop trop cool. Par rapport à Disney, il y a quand même beaucoup plus d'attractions à sensations. La moitié c'est que ça. Les 3 heures c'est que les. Et l'autre moitié c'est des simulateurs en fait. Ouais voilà. Même les simulateurs ils sont quand même un peu à sensation. Enfin les tailles des attractions elles sont quand même à chaque fois plus grandes que celles à Disney tout ça. Donc franchement Universal c'est cool aussi si vous aimez bien les sensations. C'est bien parce que normalement il n'y a pas des poussettes partout. Ouais. Casse les couilles pour se déplacer. Il n'y a pas de petits gamins partout. Toi, quelle attraction t'as préférée? Moi en vrai je pense. Voilà, j'ai trop kiffé celle d'Harry Potter. Ouais, les 3 Harry Potter, c'est dingue. C'est mes préférés, donc c'est 2 simu et 1 sur la moto d'Hagrid là. Je parle pas de la 4ème hippogriffe, ça va. Mais celle sur la moto d'Hagrid, je pense que c'est ma préférée. En termes de sensation, elle était ouf. Et après, en termes de. Quand on aime Harry Potter, on est fan, la mieux c'est celle dans le château, je pense. Ouais. Et la Gringotts Bank aussi, elle est quand même pas mal. Et toi, du coup? Moi, ouais, je dirais aussi celle de la Gringotts quand même, elle est ouf. Elle est dingue. La vitesse et tout, il y a des moments où on est surpris. Enfin, moi perso, j'ai été surprise à des moments. Ouais. Mais dingue, après, ouais, celle d'Harry Potter, j'ai kiffé. Sinon, hors monde Harry Potter, moi je dirais la Revanche de la Momie. Ouais, j'avoue, c'est une belle surprise. Elle est trop bien. Elle est énervée. Ouais. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans la voiture, mais ouais, non, du coup, je vous disais, moi, en dehors des attractions Harry Potter, je pense que la Revanche de la Momie, c'est une attraction qu'on a fait aussi, du coup, sur le film de la Momie. Elle était incroyable aussi, moi, j'ai adoré celle-là. Ouais, voilà. Elle nous a surpris. Hein. Ouais, franchement, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi la sensation. Aussi, pour cet après-midi, quand on a fait les 2 attractions dans l'eau. On était vraiment trempés, on a utilisé le gros sèche-cheveux humain là, etc. Et en fait on est rentré vite fait à l'hôtel de se changer parce qu'on était vraiment trempés, genre moi dans mes chaussures. Le sèche-cheveux c'était vraiment c'était de la merde. En plus c'était $5 hein, pour se sécher. Ouais. Donc je trouve ça un peu inadmissible vu le prix des billets Universal, mais c'est pas grave. On l'a utilisé, ça servait à rien. Du coup, vu que l'hôtel est à 5 minutes du parc en voiture, on a vite pris la voiture, on est vite rentré à l'hôtel se changer. Parce que vraiment, c'était avec la température qu'il y a dehors, il faisait pas froid, hein, mais il fait pas non plus 25 quoi. Ouais, là, il faisait genre 17-18. Ouais, un peu plus, je pense quand même. Ouais, en plein soleil. Mais en plein soleil, mais du coup, c'est pas assez chaud aujourd'hui pour rester comme ça mouillé. Surtout que, enfin, on n'était pas en short ni rien, on avait des jeans et donc c'est pas possible de. Ah, parce qu'en fait, ça mouille, dites-vous, c'est comme si on. Bah en fait, c'est comme on sautait si dans une piscine. Ouais, en fait, voilà, on était vraiment trempé. Ouais, c'était aussi mouillé que ça. Hein. Donc, du coup, on est rentré vite fait se changer et tout ça. Après, on a fait un petit spectacle du Grinch. On s'est endormi d'ailleurs. Non. Et voilà, non, franchement, les 2 jours à Universal, c'était trop cool aussi. Disney Universal, de toute façon, voilà. Enfin, moi, j'adorais pas d'attraction, de toute façon. Donc, je ne pouvais qu'aimer. Ouais, moi, je préférais quand même Universal, parce qu'il y a Harry Potter. Ouais, et puis pour les sensations, mais, c'est mieux Universal. Mais moi, quand juste même. Pour ça. Juste parce qu'il y a Harry Potter. Sinon, en vrai, Disney, c'est, ouais, mieux. Disney, c'est avec mieux. Star Wars, Avatar et tout, c'était incroyable. Les spectacles aussi. Bon, on a fait un spectacle ce soir, il était dingue aussi. Hein. Franchement, il y avait quand même aussi des feux d'artifice, etc. Mais Disney, on peut pas rivaliser, franchement. Ouais. Les spectacles à Disney, c'est les boss. Incroyable de fin. Voilà, enfin, c'était ouf. Mais voilà, j'aurais réalisé mon rêve de faire tout ça. Mais c'est fini, on est triste quand même. Mais bon, là, il nous reste quoi, 5 jours à peu près. 5 jours. Ouais. 5 jours. À finir notre petit tour de Floride. Donc, et après, on va enfin voir nos petits chats. Ouais, on va rentrer voir nos petits chats. Ils nous manquent. On a 2 petits chats à la maison et ils nous manquent trop. C'est mes grands-parents qui les gardent et on va les retrouver quand on rentre. Et on continue à vous emmener dans nos aventures. Dans ouais, nos 5 demain, jours qui restent. Hein. Voilà, demain, NASA. Et après, on va faire une autre ville et on finit par Miami Beach cette fois. Bon, je sais pas si on vous retrouve à la fin. Ben en vrai je pense qu'on peut clôturer. Je pense qu'on va clôturer puisqu'on va juste manger McDo et aller chercher des aimants si j'arrive à les trouver puisque du coup petite précision mais à Disney et Universal c'est impossible de trouver des aimants. Ouais. On a cherché dans toutes les boutiques possibles et inimaginables. Ouais, il y en a 2-3 mais c'est pas global sur le parc, genre ça va être une connerie sur un truc mais impossible de trouver des manettes. Donc j'aimerais avoir mes manettes pour le frigo. Donc on a vu il y a plein de boutiques
sur la route principale d'Orlando où il y a tous les hôtels, etc. Il y a plein de boutiques de souvenirs Disney Universal, donc là je pense qu'il y aura des aimants, on va en trouver. Je vais à ma quête des aimants, mais donc rien de très intéressant. Donc si vous avez kiffé, ces deux petits jours à Universal, nous on a kiffé. Ouais. On espère que vous avez kiffé à travers ma petite vidéo quand même. Donc qu'est-ce que vous pouvez commenter? Bah déjà laisser un petit like. Ouais, un petit like, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour les... pour les notifications. Pour les vrais, quoi. Ouais. Pour commenter. Et après moi je propose de commenter deux teams. Soit la team Jurassic Park. Ok, avec un petit dinosaure. Ouais, soit la team Harry Potter. C'est vrai que vous avez pas trop vu de... Il y a deux attractions Jurassic, mais je pense pas avoir trop filmé. Sinon, il n'y avait pas trop de décors et tout, ouais. En réalité. Mais c'est vrai, au Japon, il y a plus de décors. Donc voilà, commenter soit Harry Potter, soit Jurassic. Moi, déjà, c'est Harry Potter. Bah oui. Toi? Bah oui, Harry Potter, quand même. Bon, allez, on vous laisse là. Bisous, à demain.